Sinon, non. Qu'est-ce que ça va bien? L'opération s'est faite là, est-ce que nous sommes capables d'expliquer qui ça qui vient là? Je salue Gaspard l'écriture téléviseur, direction générale de l'Ouadna, par le biais du directeur général, les suivants consignes qu'elle recevra au plus haut niveau, passer instruction à direction surveillance lutte contre fraude et contrebande pour intensifier le contrôle dans tout bureau de douane et notamment dans toute méade qui est dans la capitale là et en province. Mais Adla, je nous t'expliquais déjà, c'est magasin entrepôt et aire de dédouanement. C'est côté l'usager à venir, les venir avec conteneur ou bien marchandises, les véhicules, à travers une agence maritime qui balle document pour le venir, pour le cap, faire déclaration, pour le continuer. Procéder à sortir marchandises libres. Normalement, après déclaration que les mêmes les fins produits. La douane, c'est une institution déclarative. Ce n'est pas la douane qui va faire déclaration pour usager. C'est usager qui paraît lui-même, il dit la douane, mais qui ça le gagne. En fonction de ça, le dit la douane, la douane va le contrôler pour le si ça le dit, il est conforme. Et si ça le dit, il n'est pas conforme, code douanière prévoit comment vous servir contre mon ça. Et il y a des cas de fraude qui sont simples, il y a des cas de fraude les dans le niveau, depuis que moi est caché, nous commençons à entrer dans la contrebande. Même j'en ai regardé hier, nous avons commencé le contrôle, c'est ton conteneur 40 pieds, numéro de dossier, c'est E16-942, qui consigné, consignateur là, c'est Louis Ketia, l'identifié fiscalement au numéro 008-915-995-5, exportateur Mungivo El Boulia, c'est Alliance International Shipping LLC. Conteneur 40 pieds est arrivé dans Méade, la Phyto 1. La Phyto 1 qui est dans la zone Cité Soleil. Le contrôleur d'a fait, agent douanier subvention qui était en renfort avec agent douanier qui affecté la base la Phyto, il y a eu une petite anomalie. L'anomalie a été menée au découvert hier, il a gagné 2000 cartouches de calibre 5.56. Et c'est calibre pour fusil d'assaut. Ça a été porté nous à intensifier le contrôle. Et justement, matin, dans le contrôle, qui ça nous joue comme résultat? Nous joue comme résultat pour cartouches 9 mm, 5219 unités, cartouches calibre 7.62, 4000 unités, cartouches 5.56 pour jeudi, 7520 unités, l'ennemi était là 2000 grains de junior, et bien un total de 18739. Donc ça, je dis, pour qu'on parle, nos juniors n'ont pas parler, ils ont caché, ils ont rangé ou bien rangé, ils ont fermé au parler encore. Pour cartoucher nos jeunes, 16 739 pour aujourd'hui, ajouté à 2 millions là, qui vaut 18 739. Nous jouons également 12 fusils d'assaut. Il y a 7 modèles AM-15, il y a X-15 dans C1, AF-15-1, MEP-15-1, AR-556-1, il y a V-15 là qui c'est 1. Nous jouons tous 4 pistolets 9 mm. Et nous, là, en présence juge de paix qui fait constat, qui accompagne agent douanier et agent BLTSO qui travaille en renfort à agent douanier qui est affecté dans Portland. Depuis hier, il est à pied d'œuvre et le travail a commencé hier justement. C'est ça la couché comme résultat, je tiens. Vous dites ça, mon qui est venu sur la matinée, je n'ai pas arrêté. Il y a un contexte qui est très difficile. Nous travaillons, nous-mêmes nous sommes là, nous avons remarqué comment nous avons gagné une avalanche de monde qui a fréquenté l'espace côté douanier à vérifier. Justement,
espace là, c'est un espace qui était stérile, qui était là pour douanier seulement, pas tap bien moyen pour Mounsa d'échapper. Mais au moment contrôle yo commence à faire douanier a poussé contrôle yo pifon OK en profondeur, donc intéressé à lui même s'il de Gonzalez rien ou pas qu'empêcher le s'il dit la vie elle va le pipi faire quoi que ce soit, il est tout sauvé parce que bagaille yo pas c'est pas tant découvert qu'on dénoter yo. C'est là où commence à voir douanier yo un petit gens méticuleux qui a avancé fouillé en profondeur, donc lui même il jette. Est-ce qu'il y a possible que côté fait pour intéresser ça? Commissaire gouvernemental ailleurs, il était parlé avec la presse. Elle te dit clairement que pour ce futur, a fait. Bon, je n'ai pas trop de choses pour m'ajouter. Sinon, que son bail qui concerne la sécurité publique, moi, j'ai une expérience de travail avec le directeur. Là, donc, il était informé. Moi, si tu es informé, moi, tu es venu sur les lieux. Donc, on était là pour contrôler, pour assister à contrôle là. Donc, ça que les dit, c'est juste ça que je vais ajouter. Donc, nous jouons 12 fusils d'assaut, 4 pistolets, donc 18 739 cartouches. Nous voulons clair pour toute population haïtienne, et même ça qui vit à l'étranger. Douaniers font travail. Douaniers, pas seulement, ils ont une mission fiscale, douaniers ont une mission de sécurité publique, sécurité nationale également. Ça qu'a fait là, je dis là, c'est population, c'est pour population la douane a travaillé. Donc nous souhaitons que tout le monde comprenne la douane dans le cadre d'attribution comme une institution régalienne. Est-ce que nous comptons intensifier et contrôler à travers tout port qui gagne dans le pays? Dans tout port dans le pays, justement avant hier, dans le port Saint-Marc, nos voitures qui partent en conteneur. Bon intéressé qui vient des douanes, et puis douanier tombé son fusil et Marlin et calibre 3x30. Et c'est armes de type utilisé par les snipers. Donc c'est tout côté de notre travail. Récemment, la presse l'a véhiculé toute saisie que nous avons fait dans douane au Capio et grand pile à la station de fête. Dans le cas ça. D'accord. Non, c'est plus. C'est Clairvaux, le directeur de la surveillance douanière. Clairvaux quoi? Clairvaux Jean-Claude. Voilà, c'est ça. On a fait 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 ça. On a f
Je vais vous montrer.
de base, c'est ça. Non, il y a comment ça? Voilà. Non, mais il y a l'autre qui vient. Non, 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 Gabi. Gabi. Même si nous faisons calcul là avant, quand on a fait son balbou, il y a le bon moyen, été fait l'avant. Thank you.
Chargé rempli de 19 cartouches de 9 mm. Compatible en 2.6 ça ouais. Dans tout plein. Oh, c'est 6 ans, 9 mm. 6 ans, ouais. Non, les cartouches de 9 mm. Non, 9 mm. 9, comment dit le 19 ou 19. 19. 19. On charge là. Pourquoi vous voulez pas toujours? Après, on se pour les Thank you.